Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï Camara, depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Voilà, j'ai donc rapidement, j'ai mon thème d'information, cher compatriote guinéen. C'est à propos, effectivement, de l'actualité politique, je dirais même judiciaire chez nous, cher compatriote guinéen. Très bien, alors le thème d'information, c'est bien sûr, je m'adresse à, disons, au procureur général Charles Wright, n'est-ce pas? Alors, j'ai dit tout simplement que Monsieur Charles Wright, avec votre justice, disons, de deux poids, deux mesures, vous engagez le ministère public tout droit, disons, vers l'échec, comme à l'image de notre transition qui s'y trouve déjà. Voilà, c'est mon thème d'information, vous avez compris, je parle de la justice de deux poids, deux mesures, ou la justice, disons, à deux vitesses, cher compatriote guinéen. Alors, c'est bien, nous sommes dans le processus de démocratisation. C'est vrai que je vais commencer par ça, c'est une parenthèse. Nous, en fait, critiquons le pouvoir, nous critiquons la transition, n'est-ce pas? Nous sommes dans un processus de démocratisation. Nous cherchons à atteindre, vous comprenez, un point, ce point, au niveau duquel, effectivement, on pourrait, tous les Guinéens pourraient se dire, bon, enfin, on a une structure politique stable, n'est-ce pas? Une structure à partir de laquelle le développement est bien possible. Alors, donc, les critiques ne sont pas, en fait, on ne peut pas nous obliger, disons, à ne pas parler, n'est-ce pas? À ne pas critiquer. Ce ne serait pas une bonne chose d'ailleurs. Donc il faut des contradictions, il faut des critiques, je crois que c'est normal, cher compatriote guinéen. Alors j'entends toujours ces gens qui interviennent, franchement ils ne m'intéressent pas, mais de toute façon je vais en parler, alors qui interviennent pour dire, bon écoutez, comment pouvez-vous engager ou donner de tels discours, Nabilaï Camara, ainsi de suite. Alors ça me fait rire parce que ce sont les mêmes personnes au temps de Alpha Condé qui étaient là à diaboliser mes discours, etc., etc. Mais où est Alpha Condé aujourd'hui? Où sont ces discours-là aujourd'hui? Ces mêmes personnes, où sont-elles aujourd'hui, chers compatriotes guinéens? N'est-ce pas? Alors, je le dis très bien que nous sommes dans un processus de démocratisation. Il faut effectivement des critiques, chers compatriotes guinéens. Voilà. Alors, du moment que, c'est-à-dire, tant qu'en Guinée, nous remarquons que les dirigeants ne se comportent pas comme il le faut, ne respectent pas, en fait, leur engagement, ne respectent pas, en fait, les règlements ou les lois, et bien sûr, on ne peut pas se taire. On aura des discours, en fait, écoutez, de façon, je dirais, adéquate. Non, on donnera des discours adéquats, conformément à ce comportement, au comportement des dirigeants en place. Mais c'est clair et net. Si ce comportement, on aura des discours, effectivement, pour répondre à de telles formes de comportement. Si se comporte bien, on aura aussi des discours pour de telles formes de comportement. Mais c'est cela, cher compatriote guinéen. Charles Wright, le procureur général, bien sûr. Hein, le chef donc du ministère public. Écoutez, il arrive souvent, il fait de bons gestes. Tout récemment, il était question, disons, de l'assassinat barbare de ce jeune élève. Vous comprenez? Alors, il y a quelques semaines, Charles Wright a engagé tout de suite des poursuites judiciaires contre les militaires et les policiers impliqués. Voilà, on a félicité. Et ça, c'est comme ça. Alors, mais s'il arrive aussi qu'il émet des idées ou des actes effectivement loin, disons, à donner de bonnes images à notre processus de démocratisation. Écoutez, on le critique aussi, cher compatriote, comme par exemple maintenant, je dois le critiquer parce que franchement, j'ai bien peur que qu'il ne suive cette voie de clown, vous comprenez, répugnant, c'est vrai. Il y a des juges considérés comme des clowns répugnants, c'est vrai. La peur aidant, alors ils sont incapables, effectivement, d'agir comme il le faut. N'est-ce pas? Charles Wright, si vous êtes procureur général, alors attention, nous sommes encore dans un état où les choses ne sont pas en ordre. On a des dirigeants qui sont dans le tâtonnement, c'est vrai. Alors, hein, pour que dans ce cas, il faut se comporter conformément à telle situation dans le pays. C'est vrai. Il est question effectivement de défendre la société, de défendre les intérêts de l'État. D'accord. Mais nous sommes dans un pays où l'État est presque toujours en faillite. Alors, on a besoin d'un procureur
qui engage aussi une sorte de révolution, une sorte de rébellion. N'est-ce pas, que vous perdiez votre poste ou non, mais écoutez, la Guinée, avec la situation actuelle de la Guinée, on a besoin également des juges qui se révoltent, des juges également qui se rebellent, chers compatriotes guinéens, n'est-ce pas? Alors, parce que si vous devez continuer à dire, bon, je fais ce qu'il faut, je vais défendre les intérêts de l'État, la société, mais cet État ne se comporte pas comme il le faut, alors votre travail, écoutez, sera voué à l'échec, c'est clair et net, Monsieur Charles Wright, n'est-ce pas? Très bien. Alors, que se passe-t-il? Alors, vous l'avez suivi, Aboubacar Sylla, ce leader politique, nous le connaissons très bien. Alors, c'est la même chose, Aboubacar Sylla. Moi, j'ai toujours critiqué Aboubacar Sylla dans certains domaines quand il émet des idées tout à fait irrationnelles, je le critique. Mais s'il arrive, il émet d'autres idées finalement, franchement positives, et bien pour notre processus de démocratisation, écoutez, on le critique positivement aussi. Mais c'est comme cela. Moi, je parle de toute façon des ennemis, non. Vous comprenez, je dis bien, je suis le discours des politiciens ou des dirigeants. Des discours sont-ils rationnels? Des discours sont-ils irrationnels? Mais c'est cela, chers compatriotes guinéens, parce que nous sommes dans un processus de démocratisation. On a besoin des discours rationnels, n'est-ce pas? Et bien sûr, il y aura des discours irrationnels, mais l'intention est que les discours rationnels dominent, hein, en fait, les irrationnels. Et c'est comme cela, il y a l'évolution, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, qu'a dit Aboubacar Souma? Alors, vous l'avez remarqué, comme je le dis toujours, d'ailleurs, on est obligé de critiquer. Du moment que les dirigeants ne se comportent pas bien, on critique. Le jour où on remarquera que les dirigeants se comportent comme il le faut, respectant les règlements, respectant les engagements, respectant l'esprit de la transition. Mais s'il vous plaît, on ne critiquera plus. De toute façon, même si on doit critiquer, on se jettera sur d'autres sujets. Sujets de développement, par exemple, pourquoi pas parler de l'économie, hein, l'économie de développement, la technologie et tant d'autres, chers compatriotes guinéens, parler du chômage et autres, il y a plein de sujets, n'est-ce pas? Pour le moment, on est obligé de parler de la politique parce que la politique, comme je le dis toujours, c'est la base du développement. On a les dirigeants, en fait, boiteux, des discours boiteux, la boue dans la tête, on est obligé de parler de la politique, chers compatriotes guinéens, n'est-ce pas? Très bien. Alors, Aboubacar Souma dit ceci, critiquant effectivement, il s'inquiète de l'état actuel de la Guinée. Il s'inquiète Aboubacar Souma en tant que leader politique. Moi, j'aime des leaders pareils qui, en fait, ne se cachent pas, ne se taisent pas. Hein, Aboubacar Souma ne dit pas toujours ce qui plaît. N'est-ce pas? Comme je viens de le dire, souvent, il émet des thèses irrationnelles. Mais je préfère cela, un leader politique, quand même, qui émet des idées, qu'elles soient bonnes ou non. Alors, il a des inquiétudes à propos de la Guinée. Il fait une analyse très profonde en disant, mais pourquoi en Guinée ça ne va pas? Et là, il a ce jugement. Il dit, par exemple, si le bilan, c'est Aboubacar Souma qui le dit, si le bilan du développement, en fait, de la Guinée est négatif, c'est à l'actif des fils de la Haute-Guinée. Fin de citation. C'est Aboubacar Souma qui le dit. C'est un jugement de sa part. C'est un très bon jugement. N'est-ce pas? Résultant de certains constats. Sur place. Par exemple, dans le développement, il parle de 26 ans de pouvoir de Sékou Touré, qui est Malinké. Et il ne suffit pas seulement de dire Malinké, non mais parce que ce régime, en ce moment, se disait, écoutez, nous dirigeons-nous les Malinké, c'est nous qui savons diriger. 26 ans de pouvoir de Sékou Touré. Sékouba est venu encore quelques temps, quelques deux ans. Alpha Condé, 11 ans de pouvoir. Alors, mais s'il faut parler également du bilan de développement de la Guinée. Mais on s'interrogera effectivement sur l'effectivité du travail de ces régimes. Le régime de Sékou Touré, la transition avec Sékouba Konaté et 11 ans de Alpha Condé. Mais c'est normal de la part d'un politicien, d'un leader politique, qu'il fasse un tel jugement. Où est le problème? Ça pousse à dénaturer la quiétude donc, de la Guinée, ce jugement de Aboubacar Souma. Si le bilan du développement de la Guinée est négatif, c'est à l'actif des fils de la Haute-Guinée. Mais c'est la vérité. Moi, je ne vois pas de délit dans ce discours.
Alors, mais si certains ne sont pas contents, nous sommes dans un processus de démocratisation. S'ils ne sont pas contents, moi, je considère le jugement de Aboubacar Soumah comme une sorte de thèse, même philosophique, voire économique. Alors que les économistes également se lèvent pour, en fait, contester la thèse de Aboubacar Soumah et que les politiciens ou les philosophes se lèvent. Les philosophes, il y en a plein en Guinée, qui sont de la Haute-Guinée, alors qu'ils se considèrent comme les fils de la Haute-Guinée, qui se voient choqués par ce discours-là, alors qu'ils se défendent eux aussi avec d'autres thèses pour contrecarrer celle de Aboubacar Soumah. Mais c'est cela la démocratie, c'est ça le combat des intellectuels. Chers compatriotes guinéens, franchement, je ne vois pas ici le problème. Mais c'est clair, du moment que nous avons tous, comme je le disais hier dans d'autres directs, nous avons les ethnocentristes malinqués. Ça ne se cache pas. Ils disent qu'ils sont les meilleurs pour gouverner en Guinée. Alors qu'il y a un tel jugement disant le bilan est négatif, c'est à l'actif donc des fils de la Haute-Guinée. Mais écoutez, c'est en suivant la logique de raisonnement. Alors que le procureur Charles Wright, j'aurais appris, je ne sais pas si tu as confirmé ou non, qu'il tenterait même de convoquer Aboubacar Soumah ou d'instruire l'affaire, ou ne sait pas, d'engager une sorte de commission rogatoire pour pouvoir engager un juge qui va s'occuper de Aboubacar Soumah. Mais c'est de la folie ou quoi? C'est de la folie, franchement. C'est comme ça on va construire notre démocratie. C'est maintenant il faut critiquer, c'est maintenant dans ce processus de démocratisation où on a des dirigeants en fait boiteux qui dirigent à tâtons, hésitants, et c'est en ce moment qu'il faut des discours pareils. Maintenant, aux dirigeants, effectivement, de rectifier le tir, de dire, écoutez, ce jugement, non, je crois que ce n'est pas nous, et si c'est à nous, nous nous rectifions, ou nous nous défendons pour dire que non, ce qu'Aboubacar Soumah dit, ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce que ça signifie? Chaque fois qu'il y a une critique pareille, écoutez, c'est directement les juges au tribunal. Ça veut dire quoi? De la pagaille quoi? Chers compatriotes guinéens. Et la même chose pour Gianni Alpha. Gianni Alpha également aurait critiqué, en fait, le CNT, le Conseil national de transition, lorsque, en fait, comment s'appelle ce monsieur, ce fameux président du Conseil national de transition, se nommait Kourouma, Dansa Kourouma. Hein? Il a dit tout récemment qu'il ferait tout pour que le nombre de partis politiques soit réduit à 2 ou 3. Et la réaction de Gianni Alpha, l'artiste, hein, le rappeur Gianni Alpha, à propos, mais c'est normal, vous voulez qu'on se taise? Quel monsieur parle ainsi qu'on se taise? En ce moment, le processus de démocratie, c'est foutu, notre transition, c'est foutu, la démocratie, écoutez, on ne l'obtiendra jamais, mais si c'est cela. Il a réagi en disant, bon, écoutez, mais que voulez-vous? C'est de la folie ou quoi? La démence ou quoi? 2 partis politiques, pourquoi en Guinée? Pour quelle raison? Ce n'est pas pour garantir l'unité en ce moment. N'est-ce pas? Alors, Charles Wright, qu'il n'y ait pas cette justice de 2 poids 2 mesures ou justice à 2 vitesses, c'est vrai, parce que de l'autre côté, nous avons Elie Kamano, que nous connaissons, ce fameux artiste aussi, et qui, tout récemment, même pas, en fait, 1 mois, émettait, en fait, un autre jugement, n'est-ce pas? Je dirais même, excusez-moi, je dirais même haineux, un jugement haineux contre ce dernier dialogue, l'UFDG, contre la communauté Peul, cher compteur guinéen. Hein? Comment gagner face à la communauté Peul? Excusez-moi. N'est-ce pas? C'était encore plus grave. On peut dire ainsi. Pour moi, non. Mais si nous suivons la logique du raisonnement de Charles Wright, des discours qui peuvent gêner la quiétude dans donc la nation, mais le jugement de Elie Kamano est encore plus grave, cher compatriote guinéen. Il évoque cette méthode de tous contre un, tous contre les Peuls, tous contre la communauté Peul, pour écarter ce dernier dialogue. Mais là, on n'a pas entendu Charles Wright lever son bâton, s'il vous plaît, pour dire « attention, venez ». Non, on ne l'a pas entendu, cher compatriote guinéen. Et pourquoi cela?
C'est 3 fois plus grave que ce jugement de Aboubacar Souma. 5 fois plus grave que ce jugement, le jugement apporté par Gianni Alpha, cher compatriote guinéen. Et cet autre jugement de la part du Premier ministre Mohamed Biaboghi, il y a quelques semaines aussi en forêt, lorsqu'il a dit, il s'adressait aux jeunes, ne manifestez pas, vous manifestez, vous allez vous blesser, vous manifestez, vous allez vous faire tuer. Manifester, c'est aller se faire tuer. Sinon que ce discours du Premier ministre, c'était tout simplement encourager les forces de l'ordre, n'est-ce pas, qui pourraient ou qui sortiront pour mettre de l'ordre dans les manifestations, à faire usage de leurs armes, des balles réelles. Mais c'est cela, parce que le Premier ministre dit aux jeunes, si vous sortez, écoutez, vous serez tués. Alors, écoutez, qui voulez-vous, les forces de l'ordre? Les policiers entendent cela, qui voulez-vous? Donc, l'ordre leur est donné, effectivement, de faire usage de leurs armes, tirant des balles réelles sur les manifestants. C'était grave, n'est-ce pas? Intelligemment, n'est-ce pas grave? C'est très grave. Et où était notre procureur général Charles Wright pour condamner ce fait-là? Il l'a fait, il ne l'a pas fait. Pourquoi cette justice de deux poids, deux mesures? Ou justice, disons, à deux vitesses? Pour quelle raison? Revenons sur le cas d'Eli Kamano. Si grave son jugement. Donc il était question, parce que là, franchement, ça gêne la quiétude, parce qu'il est question d'une provocation. Il provoque, en fait, une ethnie donnée, les peuples. Non seulement il provoque l'ethnie donnée, mais en même temps, c'est positionner les autres ethnies, n'est-ce pas, contre la communauté peul. Mais c'est cela. Cher compatriote guinéen. Alors, franchement, je ne sais pas, Charles Wright, je dis bien, vous faites le bon travail, nous vous félicitons. N'est-ce pas? Vous recevez des critiques positives. Mais quand vous faites mal, aussi, c'est la même chose. Nous vous critiquons négativement. Et le but n'est pas, en fait, de vous éliminer, mais c'est vous dire, mais écoutez, nous sommes dans un processus de démocratisation. On doit critiquer. On doit critiquer, s'il vous plaît. Vous avez une plaie sur la main. Vous êtes blessé, vous avez la plaie, vous prenez une bande, un pansement, vous le mettez. Vous dites que c'est guéri. Ce n'est pas guéri, Charles Wright. C'est ce que vous voulez. Nous critiquons, vous dites non, taisez-vous, ne dites rien. Mais les choses se pourrissent, se décomposent. Parce que les politiciens, ils disent, en fait, les gouvernés disent, les dirigeants disent, écoutez, il y a l'unité. L'autre jour, on entendait le ministre chargé de... la présidence, Amara Kamara, dire que, écoutez, qu'il y avait une sorte d'harmonie entre Mamadi Doumbouya et le peuple. C'est du mensonge, n'est-ce pas? Alors que c'est faux. Il y a la plaie sur la main. Avant le pansement, avant de couvrir, il y a un travail d'abord à faire. Il s'agit de quelle sorte de plaie? Du premier degré, deuxième degré, troisième degré. On essaie de savoir tout. Et si c'est premier degré, quel médicament correspond-il? N'est-ce pas? Et c'est après cela, les médicaments sont là, et puis on fait le pansement. Là, il y a l'assurance, il y a l'espoir que, effectivement, ma plaie, effectivement, est en train d'être soignée. Et c'est sûr qu'il va être soigné et se cicatriser rapidement. Mais cette façon d'agir, Charles Wright, mais je vous l'ai dit, c'est de couvrir la plaie et dire, bon, écoutez, ça va. C'est guéri. Mais c'est cela. Et on a toujours connu cela, de ces coutures jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, on couvre la plaie. On dit que c'est guéri. C'est pas vrai. Et quelques temps après, on voit la plaie qui est là. D'ailleurs, aggravée. C'est la même chose. Voulez-vous que nous couvrions encore notre plaie pendant cette transition? En nous taisant, Charles Wright? Ce n'est pas possible, cher compatriote guinéen. Voilà, cher compatriote guinéen. Je ne vais pas prendre votre temps. Nous sommes dimanche, cher compatriote guinéen. C'était cela. Je donne toujours, en fait, mon dernier mot, ma position face à cette transition. Le Guinéen ne connaît pas le dialogue. Le Guinéen, je dis bien, pour qu'il y ait un changement radical. Radical, je dis et je le répète, cher compatriote guinéen. Il faut la méthode forte. De la même façon, Alpha Condé a été renversé de façon, disons, par
la force des armes, n'est-ce pas? Il faut la même chose contre cette transition, c'est Mamadi Doumbouya et ses consorts. Il faut cette force physique. Il faut passer par les armes, je compte venir. Les armes avec l'espoir que nous, en fait, rencontrions effectivement un soldat, soldat patriote, intelligent, rationnel, et qui soit capable de se mettre au-dessus de la mêlée, cher compte venir. C'était Nabila Camara, depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Bonne journée.